Salut les amis, c'est SRA, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Flu, et on est toujours eh bien, au même endroit sur la map, c'est-à-dire le Power Corridor qui mène à la centrale de Rooktown. Et si vous regardez bien en bas, eh ben, vous pouvez voir que Rosilo a évolué, oh mon dieu! Parce qu'en fait, je suis tombé sur ça. Donc Carmillary, et je l'ai capturé, et ça a fait monter Armor, ça a fait donc monter Rodilo au niveau 25, et l'a fait évoluer en Armorer, qui est vachement stylé, je trouve. Et j'avoue que je suis extrêmement surpris par sa stat vitesse. Je suis hyper surpris par une vitesse aussi élevée. Mais c'est peut-être dû à son talent. Donc Rocket Armor, donc qui réduit sa vitesse, mais qui réduit aussi les dégâts de recul. Alors malheureusement, je n'ai pas d'attaque de recul. Mais je crois qu'il pouvait apprendre Bélier. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Est-ce que c'est comme Tête de Roc et que ça annule totalement les dégâts de recul? Je sais pas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est clairement de la merde par rapport à Tête de Roc. Mais bon, on a Carmillary qui est là, qui est donc Insecte électrique, qui est très rapide, qui est assez puissant. On a une fois de plus des IV pourris. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Mais on a surtout le talent triage. Donc c'est... Je sais même plus ce que c'est en français, ce talent. Mais c'est le talent notamment de Guerriland. Qui donne donc une priorité à toutes les techniques qui soignent de près ou de loin. Donc ça compte pour aussi Parabolic Charge, pour Draining Kiss. Et ça marche pour repos et tout ça. Mais bon. On va continuer. On a Gerbolta ici. Alors, est-ce que je peux me rapprocher? Non. Bon, let's go. Arrête-toi ici. Toi, je me souviens de toi. Ah oui, c'est vrai, c'est le mioche, le casse-couille. Toi et tes petits amis étaient à Rooktown. Et qu'est-ce que vous pensez faire, hein? Est-ce que vous pensez que juste parce que vous êtes un dresseur Pokémon, vous pouvez vous mêler des histoires de ma famille? C'est un problème d'Altair Corp. Mon père m'a fait confiance pour m'en charger. Et je vais lui prouver que j'ai tout sous contrôle. Et j'écraserai tous ceux qui diront le contraire. Ok, il est vraiment insupportable ce mioche. Oh, excellent, Miaouss en mode mannequin écho, il est trop beau. Bon bah, on va nettoyer, hein, si c'est ça. Ah, c'était pas très efficace sur Miaouss. Donc il est, ça veut dire qu'il est soit roche, soit acier. Curse, non, j'en veux pas. Minia niveau 25. Tinscure, d'accord. Et Spellot, là. Faut que je me débarrasse de Tinscure rapidement. Mais le genre très rapidement. Parce qu'il peut poser problème pour à la fois Salamancer et pour Grimboss. Oui, je dis Grimboss maintenant. Snarl. Avec Bite. J'ai été vaincu.
Père ne doit surtout pas savoir. J'admets, pour de la plèbe, t'es pas mauvais. On a réussi. Ces gardes n'étaient pas très forts. Ils étaient juste tellement nombreux. Ah, Sky, aussi impressionné que je puisse être, c'était quand même très téméraire. Comment ça se passe de ton côté? Ce gamin, c'est le gars d'Altaïr, non? Le gars qui mentait à tout le monde? Mais je... Ah, j'imagine qu'il n'y a plus aucune raison de prétendre. Puisque tous les trois vous semblez déterminés à interférer avec les histoires de ma famille, ce n'est pas comme si ça pouvait s'empirer, alors je peux aussi bien vous le dire. Mais pas ici. Suivez-moi à l'intérieur que je puisse expliquer. Et ne me faites pas attendre! Putain, il est insupportable ce mioche. Wow, c'est quelque chose cet endroit. Il fait tout noir, et il y a des Pokémon sauvages partout. Ça peut pas être comme ça en temps normal. Ah oui, forcément, si vous commencez à dire ce qui est évident. La centrale a été envahie par des Pokémon altérés. Ils n'arrêtent pas de venir et on arrive à peine à les retenir d'aller à Rooktown. Alors, pour tous les vaincre et restaurer l'électricité, laisse tomber. Mais c'est horrible. Pourquoi est-ce que vous mentiriez au sujet d'un truc pareil? Pourquoi pas le dire à la Ligue? Tu ne comprends pas. Si jamais on apprend que la centrale de mon père a été envahie par des Pokémon altérés, alors les actions de Altaïr Corp vont plonger. Et mon père sera pas content. Alors, tu... Comment dire Alors tu étouffes une crise pareille juste parce que tu es inquiet que ça te fera... Ça donnera mauvaise image. Pour nous les élites, la réputation c'est toute notre vie. Je n'attends pas que des paysans comme vous comprennent. Wow, j'aime pas spécialement qu'on me prenne de haut. Surtout pas par un gosse. Je suis Xander Altaïr, le futur chef d'Altaïr Corp. On perd notre temps. Bon, puisque vous êtes là. Visiblement, vous voulez restaurer l'électricité, et moi je veux que ces Pokémon altérés dégagent. Peut-être qu'on peut s'aider. J'imagine qu'on n'a pas le choix. On a besoin que l'électricité revienne pour qu'on puisse affronter la Ligue. C'est quoi le plan, du coup? Vaincre les altères, remettre l'électricité et sauver tout le monde? Malheureusement, ce n'est pas si simple. Pour pouvoir remettre l'électricité en route, nous devons avoir accès à la salle des générateurs. Pour des raisons de sécurité, elle est bloquée derrière trois clés. Quand les Pokémon altérés ont attaqué la centrale, les clés ont été perdues dans le chaos. Excusez-moi, on avait besoin de me dire quelque chose. Donc on reprend. Je crois que les Pokémon altérés les ont pris et se sont barrés dans des directions différentes. Je vois. Alors il faut qu'on trouve les clés, ce qui implique de vaincre des Pokémon altérés pour restaurer l'électricité. Bah alors qu'est-ce qu'on attend, on y va? Attendez. Si on va plus profondément dans la centrale, l'entrée sera laissée sans surveillance. Si Pokémon altérés s'échappent et vont à Rooktown, ça sera encore pire pour Altaïr Corp. Tu es encore inquiet au sujet de ta réputation à un moment pareil. Tu sais, les gens, ils pourraient crever. Il en a rien à foutre. Dans ce cas-là, on devrait se séparer. Puisque c'est vrai qu'il a le plus d'expérience en combattre les altères, l'un de nous devrait aller avec lui. Les deux autres resteront ici pour protéger l'entrée. Ah, ça peut le faire. On va choisir Terra, tiens. On a déjà fait équipe avec Sky. Donc on va choisir Terra. Faisons équipe et montrons à ces altères qui est le patron. Ok. Je reste ici avec le mioche. Laisse-moi savoir si tu veux changer de partenaire. Alors comme vous pouvez le voir, alors déjà on a Magnéti. Et ensuite les LED lights, quand on est dans un endroit sombre où la nuit ils éclairent. Et je trouve que c'est super sympa comme petit détail.
Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette salle? Contrôle du voltage. Ça m'a l'air plus hors de contrôle qu'autre chose. D'ailleurs, un bouton qui contrôle l'électricité dans cette salle. Mais comment y aller? J'ai une idée. Si on court suffisamment vite, peut-être qu'on passera l'électricité. Non. À 3. 1, 2, 3! T'es débile! Ah, oh, ça fait mal. Non, t'inquiète pas, c'était juste l'électricité statique. Je pense que c'est mieux si je reste là, je veux pas te ralentir. Pourquoi t'essaies pas de voir si tu peux atteindre le bouton de l'autre côté? Moi, je vais regarder un petit peu de ce côté-ci. Elle est complètement con. Ok. Oh, t'as fonce dans l'électricité, c'est la fille de Sacha ou quoi? T'as réussi! Les éclairs se sont arrêtés. Oh, c'est quoi ça? Wow, c'est un Pokémon altéré. Fais par toi! Oh, ça doit être l'évolution de LED Light! Insulatex, il est stylé! Bon, par contre, j'aurais vraiment pas dû garder Salamence. Oh merde. On va mettre Daikongus. Je suspecte qu'il soit acier. Par rapport à LED Light qui est pur élec. Donc ça devrait pas me faire trop mal. Bon, ça va. Vu le peu de dégâts qu'il a pris, à mon avis, il doit pas être acier. Non, il est clairement pas acier. On va faire dégâts. Terrain Force. D'accord. Intéressant. Pourquoi tu spams Poularmi? Une fois de plus, pourquoi tu spams Poularmi? Ah, il est relou. Ah, il a une défense de malade, hein, par contre. Reflect en plus. Ok, il est hyper relou. Oh, le crit! Dusk Ball. On est dans un endroit sombre. Donc ça devrait bien marcher. Yes! Nice! On a l'évolution de LED Light, c'est super. Enfin, je suis presque sûr que c'est l'évolution de LED Light. Réacteur Kibi, ok. Alors, son corps entier est une batterie qui peut stocker
et délivrer de l'électricité à une efficacité de 99%. Si jamais il est surchargé, il entre dans une rage folle. Modeste, des stats assez moyennes. Par contre, batterie, son talent est excellent. Bon, son move pool, par contre, c'est autre chose. Hein, mais bien joué. On dirait qu'il a fait tomber une clé quand on l'a vaincu. Xander a dit qu'on en avait besoin de 3 pour ouvrir la voie vers le générateur. Il faut qu'on cherche deux autres. Oh, ça me rappelle. Pendant que tu traversais le labyrinthe d'éclairs, j'ai trouvé ça. Control Room Code 1495. D'accord. On dirait qu'on peut utiliser ça pour passer le verrou de la salle de contrôle. Alors, allons là-bas maintenant. Ok. Cette quantité de Pokémon, quand même. Mais bon, c'est là qu'on va se quitter pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis ou pour discuter de ce que vous voulez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si notre contenu vous plaît et que vous voulez en voir plus. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et ciao les amis.